Nous avons lancé à Abidjan la première édition du FinTech Challenge du groupe Banque Centrale Populaire en présence de plusieurs ministres du gouvernement ivoirien et de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. C'est un programme qui permet d'identifier un certain nombre de jeunes entreprises, des start-up, qui ont développé des solutions qui répondent à des besoins pragmatiques de nos clients. Alors, il s'agit d'un programme qui s'insère dans une stratégie globale d'innovation qui a été lancée par le groupe, parce que le groupe Banque Centrale Populaire actuellement est en pleine transformation digitale, comme l'illustrent les annonces qui ont été faites récemment à travers la digitalisation d'un certain nombre de parcours au Maroc, comme le parcours d'entrée en relation client, le parcours de demande de crédit immobilier, et puis, comme vous l'avez également vu en Afrique subsaharienne, le lancement du chatbot Harry, qui est le premier chatbot de sectoriel dans l'espace UEMOA. Nous sommes très fiers de l'engouement que nous avons eu autour de ce programme, puisque nous avons reçu à ce stade plus de 300 candidatures, sachant que les entreprises ont jusqu'au 23 décembre pour pouvoir soumettre leur dossier. À l'issue de ce process, une trentaine d'entreprises seront sélectionnées et puis vont être intégrées dans le cadre d'un parcours qu'on appelle bootcamp de plusieurs jours. Ils vont être encadrés pour parfaire leur solution. Et par la suite, 6 d'entre elles vont être sélectionnées pour pouvoir déployer leur proposition de valeur au sein du groupe et pouvoir décrocher un contrat de collaboration, donc un banc de commande avec le groupe Banque Centrale Populaire. Il s'agit d'un programme inédit et très innovant qui va permettre à des start-up africaines et d'ailleurs de devenir des partenaires à part entière du groupe Banque Centrale Populaire. Nous avons tout simplement au niveau du groupe identifié un certain nombre de besoins qui sont essentiellement axés sur la satisfaction et l'amélioration de la qualité client. Et ce qui est demandé à ces start-up de pouvoir tout simplement nous proposer des solutions innovantes. On accompagne le groupe sur l'ensemble du déploiement de ce programme, de la définition des challenges, donc l'identification des sujets clés sur lesquels les startups vont intervenir, à la formation des équipes et à l'accompagnement du déploiement des solutions en interne au sein des métiers de la Banque Centrale Populaire.